gloire soit rendue à Dieu. Après des mois d'attente, nous pouvons enfin retrouver le chemin de l'Église tous ensemble. Tout en respectant les mesures barrières, port du masque en tout temps, lavage des mains, respect de la distanciation sociale, retrouvons le chemin de l'Église, car la Bible nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je sème à la montagne sainte. Vous pouvez envoyer vos dîmes, dons, offrandes et libéralités en direct de chez vous. Pour cela, plusieurs moyens s'offrent à vous. Par virement Interact, PayPal, Visa et Mastercard directement sur notre site internet www.centremontagnesainte.com, MoneyGram, Western Union ou encore RIA. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, nous construirons l'Église. Pierre après pierre, Laval pourra bénéficier d'un lieu où rencontrer Jésus et vivre une vie chrétienne épanouie. Alors que vous soyez ici ou partout dans le monde, apportez votre pierre à l'édifice par votre contribution mensuelle. Les différents moyens sont disponibles sur notre site internet www.centremontagnesainte.com. Peu importe le montant, c'est votre fidélité et régularité qui compte. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien à son œuvre. Thank you.
miséricorde. Nous venons à ta présence, Seigneur Jésus. Oui, Père, pour t'inviter à prendre la place du roi des rois, des seigneurs dans ce programme. Sois le seul Seigneur, sois le seul souverain, sois le seul à régner, ô Père, dans ce programme, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre le contrôle de tout, contrôle nos cœurs, viens bénir ton peuple. Viens répandre encore ta faveur, ta rosée céleste sur ma sœur, sur mon frère, sur tout celui qui va se connecter dans ces programmes dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié que ta grâce demeure dans nos vies. Au nom de Jésus, amen. Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, que Dieu libère une grâce spéciale dans vos vies, dans vos foyers. Je prie que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui encore dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pendant que je parle, j'aimerais déjà inviter tous mes frères, toutes nos sœurs qui sont connectées, de rester connectées et de partager la vidéo parce que nous allons passer une rencontre spéciale. Aujourd'hui, nous allons passer une rencontre spéciale parce que Dieu a envoyé sa parole et à chaque fois que la parole est envoyée, c'est le surnaturel qui se produit dans nos vies. Nous sommes bénis, nous sommes guéris, délivrés par la parole de Dieu. Donc, partageons s'il vous plaît la vidéo, continuez de vous connecter, mes frères et sœurs. Nous sommes bel et bien en direct, s'il vous plaît, partagez la vidéo et connectez-vous massivement au compte du Centre Montagne Sainte. Nous avons un grand rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Le Seigneur va nous faire du bien. J'aimerais commencer avec ce psaume merveilleux, le psaume 103. Le psaume 103, la Bible dit, le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. » Verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Verset 4, « C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Verset suivant, « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Continuons. L'Éternel fait justice. Il fait droit à toutes les opprimés. Là, nous sommes au verset 6. Je vais continuer la version Vie Nouvelle. Verset 7. Il fait connaître ses voies à Moïse. C'est offert aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Un psaume merveilleux qui a pour thème d'ailleurs le grand amour de Dieu. Dans ce psaume, nous réalisons l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. C'est un psaume où David réalise le grand amour de Dieu. Dieu, il ne nous punit pas comme nous le méritions. Il est un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Que ce Dieu-là te fasse du bien dans ce programme spécial aujourd'hui. Un programme spécial. Je fais appel à la compassion de Dieu pour ta vie. Je fais appel à la miséricorde de Dieu pour ta vie. Je fais appel à la grâce de Dieu pour ta vie dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Donc je vous invite s'il vous plaît
à partager massivement la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes bel et bien en direct, donc continuez à partager, à rester connecté et à aimer surtout la vidéo pour donner plus de visibilité. La grâce du Seigneur qui a commencé avec nous depuis le début de cette année, cette grâce va se multiplier, cette grâce va croître au fur et à mesure que nous approchons de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Je salue mes sœurs qui sont connectées, mes frères et sœurs qui sont connectés depuis l'Europe, tous ceux qui sont connectés depuis les États-Unis, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous ceux qui sont connectés, depuis, je dirais, l'Afrique, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, depuis l'Asie, depuis les Antilles. Partagez la vidéo, restez connectés à ces programmes. Notre Dieu va nous faire du bien. Je ne serai pas long aujourd'hui, mais nous allons parler de la part du Seigneur et Dieu va bénir tous ceux qui sont connectés et à la fin nous allons encore prier. Et nous allons parler aujourd'hui sur un thème tellement important, comment développer une vie de prière puissante. Ce message veut être la suite de ce que nous avons vu la fois dernière lorsque nous avons dit comment accéder à une puissance, à la puissance, à un autre niveau de puissance divine dans notre vie. Et nous nous sommes arrêtés, on parlait de plusieurs niveaux de la présence du Seigneur. Nous avons compris que la présence de Dieu est à plusieurs niveaux. L'omniprésence de Dieu, par exemple, ça c'est par rapport à l'attribut de Dieu qui est partout. Dieu est partout. Il est omniprésent, même là où se retrouvent les voleurs. Dieu est là. Là où se réunissent les sorciers, Dieu est là. Mais la gloire de Dieu n'est pas partout, par exemple. Ça, c'est la présence de Dieu qui est attachée à sa nature, à son attribut d'omniprésence. Il y a aussi une dimension de la présence de Dieu que nous expérimentons lorsque l'Esprit de Dieu vient à nous, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'avais dit que tout enfant de Dieu naît de nouveau à le Saint-Esprit. Tout celui qui a donné son cœur à Christ a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans ta vie. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Et j'avais fait la différence entre avoir l'Esprit et être baptisé de l'Esprit. Avoir l'Esprit, c'est quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout enfant de Dieu a l'Esprit et tu fais partie du corps du Christ. Quand tu es né de nouveau, tu fais partie du corps mystique de Christ en tant qu'enfant de Dieu. Et le baptême de l'Esprit, c'est simplement l'explosion de cette source qui était déjà là en toi, qui devient un fleuve qui déborde, selon les Écritures, selon, je pense, Jean 7, 38 à 39, là où Jésus a dit que ceux qui croiront en moi, de fleuves d'eau couleront de leur sein. Donc ça devient, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et souvent, il y a une confusion entre ces notions. Donc, on ne reçoit pas l'Esprit seulement quand on est baptisé de l'Esprit. Nous recevons l'Esprit depuis le jour où Jésus est venu dans ma vie, depuis le jour où je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai le Saint-Esprit en moi. Dieu vient habiter en moi par son Esprit. Et je jouis de cette présence-là. Et le baptême de l'Esprit, c'est l'explosion. C'est quand l'Esprit de Dieu déborde, que c'est quand la puissance de Dieu déborde, dont tu es baptisé dans le feu de l'Esprit, et tu passes à une autre dimension de la manifestation de l'Esprit, Esprit qui était déjà en toi. Et la troisième dimension de la présence de Dieu, c'est celle que nous expérimentons lorsque nous nous rassemblons au nom de Christ. Nous avons dit dans Matthieu 18, verset 20, c'est Christ qui dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Il y a des bénédictions qui sont attachées au rassemblement en Christ. Lorsque nous nous rassemblons à son nom dans une église locale, nous expérimentons toutes les bénédictions qui sont inscrites dans les psaumes 133. David a dit, il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. L'huile précieuse coule. La présence de Dieu, elle est débordante. Pourquoi? Parce que nous répondons à une recommandation divine. Il veut que nous puissions nous rassembler en son nom. Et lorsque nous nous rassemblons, nous avons la garantie d'expérimenter sa présence. Et là, nous sommes déjà à la troisième dimension. La quatrième dimension de la présence, de la manifestation de la présence.
C'est quand le peuple de Dieu loue et adore le Seigneur, c'est dans la dimension de la louange et de l'adoration. Le psaume 22, verset 3. Psaume 22, verset 3. Partagez la vidéo pendant que nous recevons ces révélations. Partagez la vidéo et restez connectés à ces programmes. Psaume 22, verset 3. La Bible dit, pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges, Dieu siège. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Donc il y a une dimension de l'esprit, de la présence de Dieu, j'allais dire, que nous expérimentons dans la louange et l'adoration. Et là, nous montons de niveau encore. Un vrai chrétien doit savoir comment louer Dieu. Un vrai chrétien doit savoir comment adorer. Et les ciels s'ouvrent dans la vie des adorateurs, dans la vie de ceux qui louent le Seigneur. Jésus-Christ a dit en parlant des adorateurs que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ajoute que ce sont là les types d'adorateurs que le Père recherche. Dieu est à la recherche des adorateurs. Dieu recherche des adorateurs. Parce que les adorateurs sont ceux-là qui ramènent le ciel sur la terre. Sont ceux-là qui rendent visible, oui, la gloire de Dieu. Dieu ne peut que se révéler là où on le loue, là où on l'adore. La Bible dit il siège. Quelqu'un a interprété le verbe siéger comme un peu un parlement. Quand lorsque le parlement siège, c'est pour prendre des décisions. Alors lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous louons, Dieu commence à se manifester, à prendre des décisions à notre faveur. Dieu commence à prendre des décisions en faveur de ta famille. C'est pourquoi ne reste pas figé dans un seul type de prière. Toi, quand tu pries, tu ne fais que lier, tu ne fais que chasser. C'est bien de chasser les démons. Mais ce n'est pas les gens, les seuls types de prières qui existent. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. On partageait la parole de Dieu pendant que nous disons ces choses. La Bible dit, faites toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Donc nous ne pouvons pas rester à faire un seul type de prière. Nous devons faire toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, dit l'apôtre Paul. Nous devons varier nos prières. Il existe des prières de supplication, il existe des prières d'autorité, il existe des prières d'adoration, des louanges faites par l'Esprit, toutes sortes de prières. Balancez-moi ces versets. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Il existe plusieurs types de prières. Et ici, il y a un type de prière face à laquelle les chrétiens sont faibles, c'est dans la louange et l'adoration. Souvent, on pense que la louange, c'est quand on crie, quand on danse. Non. Ou bien l'adoration, quand on chante lentement. Et on est dans la confusion, on est totalement dans la confusion. On est totalement dans la confusion. Et c'est le domaine dans lequel les chrétiens sont faibles, dans l'adoration et dans la louange. D'abord, ils sont mal enseignés là-dedans. C'est pourquoi nous expérimentons pas jusque-là la puissance de Dieu, la glorieuse présence de Dieu qui découle de la louange et de l'adoration faite par le peuple du Seigneur. Ephésiens 6, verset 18. Restez connectés et partagez la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui doivent écouter ces messages aujourd'hui. J'ai dit, c'est une réunion spéciale, je ne serai pas long, mais une réunion où le Seigneur va te donner des révélations en cascade. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Regardez, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. C'est l'Esprit qui t'inspire les types de prières à faire. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications au pluriel. Prière au pluriel, supplication au pluriel. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Là, on vous donne encore un autre type de prière, l'intercession. Priez pour tous les saints. Mais les chrétiens, souvent, sont figés à un seul type de prière. Mais la Bible dit par l'Esprit. Quand tu pries par l'Esprit, c'est l'Esprit qui t'inspire. Tu peux être dans les besoins financiers. Toi, tu dis, je vais aller demander de l'argent. Mais l'Esprit t'inspire. De commencer à adorer le Seigneur. Un peu comme c'était le cas de Paul et Silas en prison dans le livre des Actes des Apôtres. Ligotés, liés, frappés. Ils n'ont pas commencé à chasser les démons. Ils n'ont pas commencé à délier dans la prière, non. Ils ont commencé à louer le Seigneur.
ils ont commencé à louer le Seigneur. Et comme ils louaient le Seigneur, la gloire de Dieu, la présence tangible de Dieu est descendue dans l'endroit où ils étaient. Et les chaînes ont été brisées. Non seulement les chaînes de Paul et Silas, mais les chaînes de tous les prisonniers. La louange et l'adoration amènent une présence de Dieu agissante au milieu des enfants de Dieu. Je rappelle, la louange et l'adoration nous aident à expérimenter la présence agissante de Dieu. Amen. La présence agissante de Dieu. Merci pour les tests. Actes des apôtres 16, verset 25. Oh Dieu, merci pour ta présence. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Verset 26. Puis bien cela même sur l'écran. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Waouh! Ça, c'est ce que la louange et l'adoration peut amener. Une présence de Dieu agissante. Dieu ne sera pas un Dieu passif. Quand nous adorons, nous jouissons non seulement de l'omniprésence de Dieu, mais nous jouissons encore plus de la glorieuse présence de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas manifeste partout. Mais dans la louange de l'adoration, nous avons affaire à la présence agissante de Dieu. Oh, j'aimerais encourager quelqu'un à louer le Seigneur. Ça me fait penser à Josaphat. Dans les livres des chroniques, je pense à 1 chronique ou 2 chroniques 20. Alors qu'il y avait au moins 4 ou 3 nations qui se sont mis en accord pour attaquer Israël. Josaphat a jeûné avec Israël. Et parmi les méthodes, les directives que Dieu va donner au roi Josaphat, c'était de louer. Ils vont dans les champs de bataille en louant le Seigneur. Ils vont en combat en train de louer le Seigneur. Et la Bible dit, pendant que Josaphat louait et Israël, Dieu va jeter la confusion dans les milieux de leurs ennemis. La présence agissante de Dieu va semer la confusion dans les camps des ennemis de Josaphat. Oh, je déclare aujourd'hui, par ta louange, par ton adoration, que Dieu sème la confusion dans les camps de ceux qui te combattent, dans les camps de la sorcellerie de ta famille, dans les camps de ceux qui t'en veulent, dans les camps de ceux qui planifient ta perte. Que Dieu sème la confusion. Que Dieu sème la confusion, mon Dieu, mon roi. Que Dieu sème la confusion. Deux Chroniques 20, verset 3. Là, on parle de jeûne. Je me dis, donnez-moi là où on parle de la louange. Quand Josaphat a commencé à louer, et Israël, directement, Dieu, la présence agissante de Dieu est entrée en action. Il y a des choses que Dieu ne peut faire que dans la vie de ceux qui l'adorent et de ceux qui le louent. Il y a des surnaturels que tu ne peux expérimenter que si tu loues Dieu, que si tu sais l'adorer. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit apprendre comment louer Dieu. C'est pas d'abord une question de voix. C'est pas une question de mélodie. Oh, c'est une question d'un cœur reconnaissant. D'un cœur qui est affranchi. D'un cœur qui a reçu la révélation de Dieu. Celui qui a reçu la révélation peut l'adorer à l'esprit et en vérité. Et je prie par ton adoration et par ta louange que Dieu terrorise tes ennemis. Que Dieu sème la débandade, l'embuscade à tes ennemis. Que Dieu sème la confusion dans les camps de tes adversaires. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dès Chroniques 20, verset 21, nous restons scotchés et nous partageons la vidéo, s'il vous plaît. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchait devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Là, ils vont dans les combats. Ils vont dans les combats en train de chanter. Écoutez la suite. Au moment où l'on commençait les chants, waouh, dès qu'on lit 20, verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon, et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Ici, l'auteur de ce livre établit la relation entre la louange que le peuple a entonnée sous la conduite de Josaphat
et l'action divine contre leurs ennemis. Au moment où on commençait à chanter et à louer l'Éternel, l'Éternel plaça une embuscade. L'embuscade que Dieu va placer est la conséquence de la louange, de l'adoration de Josaphat et de tout Israël à la gloire de Dieu. Il y a une présence de Dieu que tu ne peux expérimenter si tu ne sais louer Dieu. C'est pourquoi le diable maintient beaucoup de chrétiens loin de la vraie adoration, loin de la vraie louange. Ils pensent que louer, c'est devenir charnel. Ils pensent que louer, c'est d'être distrait. Non, la vraie louange, la vraie adoration révèle le Dieu qui siège, révèle le Dieu qui s'engage à changer les choses pour toi. La vraie louange, la vraie adoration nous permet d'expérimenter la présence agissante de Dieu en notre faveur. Oh, je prie que le Seigneur le fasse pour toi qui me suis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La vraie louange et la vraie adoration nous aident à expérimenter la présence de Dieu dans une autre dimension. Et cinquièmement, quelqu'un peut aller sur plusieurs points en parlant de la présence de Dieu. Mais moi, je vais me limiter à cinq. Nous expérimentons une autre dimension de la présence de Dieu. Ici, lors de la dédicace du temple, vous savez, Salomon a fait plusieurs sacrifices. Il a sacrifié. Et ensuite, il a dédié le temple. Pendant qu'il a dédié le temple dans un roi, 8, 10 à 11, la présence de Dieu était palpable. Ça, c'est une autre dimension. Le temple était tellement rempli de la présence de Dieu, de telle sorte que même les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans l'endroit pour servir. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, écoutez, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Waouh! Verset 11e. Les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire les services à cause de la nuée. La gloire était palpable, le kabod était palpable. La nuée avait rempli le temple. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Donc c'est comme si il y avait beaucoup de gens, il y avait de l'embouteillage dans le temple. Les sacrificateurs n'avaient pas de place. La gloire de Dieu avait pris toute la place dans le temple. La gloire de Dieu avait pris toute la place dans leur endroit où ils devaient servir. Oh, je prie que la gloire de Dieu remplisse ta vie. Amen. Je prie que la gloire de Dieu remplisse ta maison. Amen. Que ton cœur soit rempli de la gloire de Dieu. Amen. Que tes pensées soient remplies de la gloire de Dieu. Amen. Je prie que cela déborde pendant que tu me suis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu déborde. Que la gloire de Dieu déborde. Que la gloire de Dieu déborde. Que la gloire de Dieu devienne tangible. Que la gloire de Dieu devienne visible. Que les cabordes de Dieu débordent dans ta vie. Débordent. Pendant que tu dors, déborde pendant que tu pries, déborde au salon, déborde dans la cuisine, déborde dans la salle de bain. Que le gars borde la gloire de Dieu, déborde dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi la gloire de Dieu doit déborder en toi. Sois rempli de la lumière divine, dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu déborde dans ton esprit, déborde dans ton cœur, déborde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus. Ça, c'est une autre dimension de la manifestation de la présence de Dieu. Donc, c'est devenu physique. Les sacrificateurs sont sortis du lieu de service. C'est comme s'il y avait d'autres personnes qui sont descendues du ciel. La gloire était tangible. La gloire a rempli la densité du lieu. Donc, les sacrificateurs ne pouvaient pas travailler. Parce que la gloire a pris toute la place. Oh, que la gloire de Dieu prenne toute la place dans ma vie. Que la gloire de Dieu prenne toute la place dans ton travail. Que la gloire de Dieu prenne toute la place dans ta famille. Amen. Je prie que Dieu t'accorde cette dimension. Dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, partage la vidéo, continue de te connecter à ces programmes. La gloire de Dieu avait rempli les temples. La gloire de Dieu avait pris toute la place. Donc ce sont là au moins cinq dimensions de la manifestation de la présence de Dieu. Alors la question, comment développer une vie de prière puissante? Nous allons dans Hébreux 11. Pour rappeler d'abord quelques petites notions.
élémentaires de la communion avec Dieu, mais qui sont indispensables pour notre communion avec Dieu. Je dis Hébreux 11. Charobosoto karabasa. Benda karabashime robosa. Hébreux 11, attendez, je vais vous donner le verset. Le verset 6e. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, l'auteur de ce livre, certains théologiens disent que c'est Paul, d'autres disent que c'est Barnabas. Peu importe, mais il dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Dans la dimension de la prière ne trouve son sens que dans la foi. Il y a des gens qui prient beaucoup, qui crient beaucoup, 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 mais qui ne croient pas. C'est une perte de temps. Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu, ou s'approche de lui, croit que Dieu existe. Tu ne peux pas développer une vie de prière puissante si d'abord tu ne comprends pas c'est ABC de la communion avec Dieu. Tu dois croire. Tu dois croire. La prière trouve son sens dans la foi. Une prière sans foi est une perte de temps. Une prière sans foi, ça va irriter le ciel. Une prière sans foi, ça sera comme de bruit inutile. La Bible le dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu ne peux pas jouir de la présence de Dieu. Sans la foi, tu vas commencer à crier du matin au soir et Dieu n'est pas là, Dieu ne sera pas là. Dieu ne répond pas aux cris, mais Dieu répond à la foi. Dieu ne répond pas aux larmes, mais Dieu répond à la foi. C'est la foi qui permet la connexion entre l'humain et le divin. C'est la foi qui permet la communion entre le divin et l'humain. Et si tu veux développer une vie de prière puissante, tu dois approcher Dieu avec quoi? Crois d'abord qu'il est là. Ce n'est pas parce que je le ressens, ce n'est pas parce que j'ai des frissons dans mon corps que Dieu est là. Non, que d'abord ce n'est pas une question de sensations. Si tu veux développer une vie de prière puissante, ne recherche pas d'abord des sensations. Si tu vas en recherchant des sensations, tu ne pourras pas développer une vie de prière puissante. Quand tu t'approches de Dieu, c'est d'abord une question de foi. Crois que Dieu est là. Je prie dans ma chambre, Dieu est là. Je prie dans mon auto, Dieu est là. Dieu est là même quand je ne bouge pas mes lèvres et que dans mes pensées, je parle à Dieu. Quelqu'un qui y a une foi élevée, il n'a pas besoin forcément d'ouvrir la bouche pour prier. Même dans ses pensées, il peut parler avec Dieu. Un peu comme les anges le font, ils ne bougent pas la bouche, mais les anges parlent. Dieu est là. Crois que Dieu est là. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, l'apôtre Paul ajoute, il dit, priez sans cesse. Comment tu peux prier sans arrêt? Priez sans cesse, ça veut dire prier sans s'arrêter. C'est possible. Tu peux te maintenir en communion avec Dieu d'abord par la foi. Dans toute situation où tu es, au niveau de tes pensées, tu sais que Dieu est là. Dans mon travail, Dieu est là. Dans ma cuisine, Dieu est là. Pendant que je suis avec mon patron, Dieu est là. Pendant que je parle au client, Dieu est là. Ça, c'est une dimension dans laquelle tout enfant de Dieu doit accéder. D'abord, la dimension de la foi. La dimension de la foi. La dimension de la foi. Tu crois que Dieu est là et qu'il récompense ce qu'il cherche. Une des choses qui va t'aider à développer une vie de prière puissante, c'est la discipline. Notre prière, c'est la discipline. La discipline. La discipline. La discipline. La discipline. De bonnes habitudes que tu veux adopter. La discipline de tes routines. Parce que la prière de foi répond à des routines. Ça veut dire quoi? À des habitudes déjà préétablies. Dans les livres, je prends de Daniel. Je prends Daniel 5 ou Daniel 6. On nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. C'était sa routine, c'était une habitude. Et pour qu'une habitude puisse s'établir, il faut une discipline. Vous savez, beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils manquent de discipline. Ils manquent de discipline. Ceci est valable dans tous les domaines de la vie. Tu peux te
dire, voilà, je vais commencer à pratiquer le vélo. Je vais commencer à faire la gymnastique. Tu achètes tous les matériels de cardio à la maison. Mais si tu n'as pas la discipline, tu ne pourras pas utiliser cela. Ça sera une fausse, une simple consolation, une fausse consolation que tu vas te faire. Tu vas dépenser de l'argent. Tu vas dépenser 4000 dollars pour des appareils que tu ne vas jamais utiliser. Pourquoi? Parce qu'il te manque de discipline. Il ne suffit pas de prendre les bonnes résolutions. Aux bonnes résolutions, il faut ajouter la discipline. C'est la discipline qui permet l'application des bonnes résolutions. Oh non, je veux commencer à prier chaque nuit. C'est bien, c'est une bonne résolution. Mais pour que tu commences à prier, il faut la discipline. Il faut la discipline. Quelqu'un a dit, la décision t'aide à commencer, la discipline t'aide à terminer. Quand tu as de bonnes résolutions, sache que la discipline va t'aider à terminer, à appliquer ce que tu as décidé. Daniel priait trois fois. Daniel 6, verset 10. La Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où le fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait comment auparavant. Donc c'était une routine, c'était une habitude. Tu ne peux pas développer une vie de prière puissante s'il n'y a pas de routine de prière, s'il n'y a pas d'habitude de prière. Le mot routine n'est pas toujours négatif. Il faut avoir l'habitude. Jésus avait des routines. Jésus avait des habitudes. La Bible dit, lui, il priait chaque nuit. Il priait souvent la nuit. Il s'est retiré dans les endroits déserts pour prier. Il s'est retiré pour prier. Donc, ça prend la routine, ça prend des habitudes. Ajouter à ses habitudes, à ses routines, la discipline. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Publier ces versets, il passait comment? Toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit, mes frères et sœurs. Donc, je suis en train de t'aider à développer une vie de prière puissante. Tu ne peux pas développer une vie de prière puissante sans la discipline. Et tu ne peux pas non plus développer une vie de prière puissante sans des habitudes de prière. Tu dois établir une habitude, une routine. Daniel priait trois fois par jour. Tu dois avoir des heures fixées où tu sais que j'ai rendez-vous avec Dieu à cette heure-là. À midi, j'ai rendez-vous avec Dieu. À 5h du matin, j'ai rendez-vous avec le ciel. À 22h, j'ai rendez-vous avec le ciel. Qu'il pleuve, qu'il neige, même si j'ai des visiteurs, mon rendez-vous avec Dieu, je ne vais pas l'hypothéquer, je ne vais pas les sacrifier. Partagez la vidéo pendant que je dis cela. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de vie de prière puissante parce qu'ils prient en désordre. Aujourd'hui, il prie à midi. Demain, il va prier à 15h. Après, demain, ça va les prendre. Il va faire une prière micro-onde. Après 5 jours, il va prier 6h du temps. Après 6h du temps, un autre jour, il ne va pas prier. Il passe 2 jours sans prier. Parce que pour lui, les prières de 5h de l'autre jour va compenser l'absence de prière de ces 2 jours, de ces 2 prochains jours sans prière. Et c'est comme ça que nous n'arrivons pas à développer une vie de prière puissante. Nous n'arrivons pas à opérer dans la puissance, ni dans le surnaturel. Oh, partagez la vidéo pendant que je dis ces choses. Tu veux une vie de prière puissante? Tu veux développer une vie de prière puissante? Applique ces conseils. Avance près du Seigneur par la foi. Non seulement par la foi, mais aussi développe des habitudes, des routines de prière. Établis tes habitudes à des heures fixes, à des heures connues, à des heures que tu sais que tu les as placées là pour le Seigneur. Troisièmement, développe la discipline pour appliquer tes bonnes résolutions. Ne te limite pas seulement à avoir de bonnes résolutions, mais applique la discipline pour que ces résolutions ne restent pas des paroles à l'air. Les bonnes résolutions ont besoin de la discipline pour être appliquées. Oh, je suis en train de bénir quelqu'un. Partage la vidéo. Une des choses qui va aussi t'aider à bien prier, à développer la vie de prière, c'est aussi la lecture de la parole. Quelqu'un qui lit beaucoup la parole de Dieu,
il sera porté à beaucoup prier. Parce que la parole produit la foi. Et la foi te conduit dans la présence de Dieu. La foi, c'est la clé de la présence de Dieu. La foi te donne l'accès dans la présence de Dieu. Car il est impossible de le approcher sans la foi. Et la foi, c'est ce qui permet que Dieu t'agrée dans sa présence. Et un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, il sera en fait moins informé dans ce qu'il est en train de pratiquer comme prière. Il aura peu d'informations. La prière, elle est riche pour celui qui médite la parole. Tu ne peux pas développer une vie de prière puissante sans la lecture de la parole. Oh, moi, je prie bien quand j'écoute la parole. Je me sens motivé de prier quand j'écoute la parole. Tu ne peux pas développer une vie puissante dès la prière sans l'écoute de la parole. Plus tu écoutes la parole, plus tu vas aimer la prière. Plus tu pries, plus tu vas aimer la parole. Je te donne quelques secrets qui vont t'aider à avancer, à développer une vie de prière puissante. Je ne sais pas moi si c'est le quatrième ou cinquième point. Non seulement que tu dois avoir la foi, je dis la foi, approche Dieu avec foi, je récapitule, adopte des bonnes résolutions de prière, des bonnes habitudes, des bonnes routines de prière. À ces bonnes habitudes, troisièmement, ajoute la discipline pour les appliquer. Parce que tu peux avoir des bonnes résolutions, tu ne les appliques pas. Il faut avoir la discipline. C'est cette discipline qui fera que même quand tu as un invité, au lieu que tu sacrifies ton temps de prière, tu dis à l'invité, soit tu pries avec moi, soit tu m'attends. Je ne peux pas sacrifier mon temps avec Dieu. Je pense quatrièmement ou cinquièmement, entoure-toi aussi des hommes de prière. La prière est contagieuse, la prière est contagieuse. La Bible dit, lorsque Jésus allait à la montagne de transfiguration pour prier, il n'est pas allé seul. Il a pris Pierre, Jean et Jacques, afin de l'accompagner dans la prière. À Gethsémané, avant d'aller à Golgotha, Jésus n'est pas allé seul. La Bible dit qu'il a pris Pierre, Jean et Jacques. D'ailleurs, à un moment donné, il s'est retourné, il a vu qu'il dormait à Gethsémané. Il a dit à Pierre, à Jean et Jacques, vous n'avez pas pu prier une heure avec moi. Jésus réclamait la prière des autres. Quand tu t'entoures des hommes et des femmes de prière, ça va t'aider à prier. Voilà pourquoi des fois des prières en ligne, des prières dans l'assemblée favorisent aussi à ceux qui veulent avancer dans la prière, progresser dans la prière, qu'ils puissent s'aguerrir parce que le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Quand tu t'entoures des hommes de prière, des femmes de prière, ça sera plus facile pour toi de développer la vie de prière. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à prier 30 minutes. Mais ça fait déjà deux bonnes années que nous avons placé une ligne de prière. Ces gens-là sont maintenant capables de prier plus d'une heure. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à prier 10 minutes. Mais aujourd'hui, ils sont capables de faire 2 heures du temps dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de prier en groupe. L'influence du groupe permet de développer aussi une vie de prière puissante. Matthieu 14, 33. Il prie avec lui Pierre, Jean, Jacques. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Pourquoi il a pris Pierre, Jean et Jacques? C'est pour les accompagner dans la prière. De même, dans la transfiguration, lors de la transfiguration, Jésus savait que des fois, il y a des prières, on a besoin d'être à une équipe, on a besoin d'être à deux. Dans votre couple, ça ne marche pas. La femme n'arrive pas à prier. Mais prie avec ton mari. Oh non, moi j'aime prier seul. Non. Même Jésus avait de temps en temps, il le priait avec des gens. L'entourage de ceux qui prient sera un atout pour toi. Dans tes disciplines de prière, dans tes habitudes de prière, ça va faciliter l'endurance. Ça va t'aider à développer l'endurance dans la prière. Ça va développer en fait l'endurance dans la prière. Cinquièmement ou sixièmement, pour ceux qui notent, le jeûne accompagne la prière. Le jeûne aussi facilite la prière. Personnellement, lorsque je jeûne, je ressens plus facilement la présence de Dieu. Le jeûne facilite la prière. Le jeûne facilite la prière. Mais le jeûne trouve son sens aussi lorsqu'on prie. Tu ne peux pas jeûner sans prier. Ça, c'est une grève de faim. Quand tu jeûnes, tu dis que tu jeûnes, tu ne pries pas. Ce n'est pas le jeûne. Le jeûne ne jeûne que lorsqu'on prie.
partager la vidéo pendant que je dis ces choses. Le jeûne ne jeûne que lorsque l'on prie. Et quelqu'un qui veut développer une vie de prière puissante, de temps en temps, tu dois avoir des jours de la semaine où tu sais que je jeûne, où tu sais qu'avec ma femme, nous jeûnons, où tu sais qu'en famille, nous jeûnons, nous jeûnons, nous jeûnons, nous jeûnons. Pourquoi? Parce que les jeûnes crucifient la chair. Et plus la chair est crucifiée, c'est l'esprit qui prend le dessus. Plus la chair est brisée, c'est l'esprit de Dieu. Puis c'est ton esprit, pardon, qui peut maintenir la gloire de Dieu pendant longtemps dans ta vie. Il y a ce phénomène qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il y a un chrétien qui m'a dit, pasteur, moi, pour que je ressente la présence de Dieu, je dois prier pendant 2 heures du temps. Là, dès que je finis, je n'ai pas envie de parler. Mais après 1 heure, je ne ressens plus cette présence. Et vous savez que c'est propre à chaque personne, à chaque chrétien. Je vais essayer de le dire avec les beaux mots, de la bonne manière. On ne maintient pas la présence de Dieu en nous de la même manière. Il y a des gens qui conservent la présence de Dieu, qu'ils ont reçu dans la prière plus longtemps que les autres. Parmi les choses qui font qu'un chrétien puisse conserver plus la présence de Dieu dans sa vie, par rapport aux autres, notez bien ces choses. Il y a d'abord le temps aussi que tu passes dans la présence du Seigneur. Avec des prières micro-ondes, des prières que tu vas rapidement, Seigneur. D'abord, des fois, tu ne respectes même pas la grammaire. Seigneur, je m'étadore, je m'étaloue. Et tu vas rapidement et tu atterris. Tu ne respectes pas l'autographe, la grammaire, parce que tu es fatigué. Toi, la prière, c'est quand tu es fatigué. Toi, la prière, c'est quand tu as peur de la mort. Toi, la prière, c'est quand tu veux aller dormir. Là, tu fais des prières micro-ondes rapidement. Rapidement. Et là, tu penses qu'une telle prière peut t'aider à recevoir la gloire de Dieu. Non. La durée dans la présence de Dieu, elle est importante. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez pas pu prier avec moi 1 heure. Pour Jésus, le minimum, c'était 1 heure. Il dit à Pierre et Jean et Jacques, vous n'avez pas tenu pendant 1 heure. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à recevoir la gloire de Dieu, la présence de Dieu en eux, et ni les conserver parce qu'ils ne restent pas longtemps dans la présence du Seigneur. Une des choses qui t'aide à conserver longtemps la présence de Dieu, c'est la durée que tu donnes à Dieu. Oh, partagez la vidéo pendant que j'ai des choses. Je vais ajouter 2 points et puis nous allons continuer prochainement. La deuxième des choses qui te permet à conserver pendant longtemps la présence de Dieu, c'est ton niveau de brisement. Ton niveau de brisement. Ton niveau de brisement. Quelqu'un, avant de parler de brisement, j'allais dire ceci. C'est ta capacité à garder ta bouche fermée. La deuxième chose, c'est ta capacité à garder ta bouche fermée. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il y a des gens dès qu'ils sortent de la présence de Dieu, ils deviennent bavards. Des fois, l'Esprit de Dieu veut le calme. La gloire de Dieu veut que tu restes dans le calme, afin que tu conserves cette onction, afin que tu conserves cette gloire qui est en toi. Troisièmement, c'est ton niveau de brisement. Ton niveau de brisement peut déterminer la durée. La durée de la présence de Dieu dans ta vie. La durée de la présence de Dieu que tu as reçue dans la prière. Quelqu'un qui est plus brisé, qui est beaucoup plus brisé, il prie le matin, durant toute la journée, il se maintient dans la présence de Dieu. Il se maintient dans la présence de Dieu alors qu'il est au travail. Il se maintient dans la présence de Dieu alors qu'il est en train de jouer avec un enfant. Un peu comme Watwani l'a dit dans son livre, cet auteur asiatique. Watwani est en train de dire, quelqu'un qui est brisé, il conserve plus longtemps la présence de Dieu qu'il a reçue dans la prière. Il peut aussi continuer à prier, même s'il fait 2 activités à la fois. Il peut être en train de bavarder avec sa femme, avec des amis, en train de balancer un enfant, mais dans l'esprit, il continue de prier. Et ceci n'est pas valable pour tout chrétien. Un chrétien qui est moins brisé ne peut pas développer ni conserver longtemps la présence de Dieu. Celui-là, ça prend d'abord que le lieu où il est,
ou encore ça prend une certaine posture physique qui puisse avoir les yeux fermés afin d'éviter toute distraction. Parce que quand il a les yeux ouverts, il n'arrive pas à se connecter avec le ciel. Mais quelqu'un qui est brisé, même les yeux ouverts, il peut déclencher un mouvement céleste terrible dans sa prière. Il n'est pas dans la distraction. Même s'il te regarde, même s'il est en train de te parler, il reste en connexion avec le ciel. Oh, que Dieu bénisse tous ceux qui suivent ce message dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus. Tu développes une vie de prière puissante. Si tu commences à rester longtemps dans la présence du Seigneur, d'abord la durée que tu fais dans la prière, deuxièmement ta gestion de la langue, quelqu'un qui vient de prier, qui parle beaucoup, tu vas perdre la gloire que tu as reçue. Je dirais même plus, qui ne contrôle pas ses pensées, tu vas perdre la gloire que tu as reçue. Et aussi les niveaux de brisement, ton niveau de brisement détermine également ta capacité à conserver la présence de Dieu que tu as reçue dans ta prière. Regardez Jésus, nulle part vous allez voir Jésus prier la journée. Jésus, il recevait le carburant de la journée dans la prière la nuit. Et avec ce carburant, il opérait des miracles durant la journée. Ce carburant était tellement suffisant qu'il faisait les miracles toute la journée, il enseignait, et la prochaine prière c'était la nuit. Et la Bible dit des fois il priait toute la nuit, toute la nuit. C'est pas une question d'une heure, de deux heures, toute la nuit. Luc 6, 22 que nous avons lu, il a passé toute la nuit dans la prière. Donc il payait les prix la nuit, il recevait déjà les kérosènes qu'il fallait afin de voler durant la journée. Et il savait comment maintenir cette présence. Parce que maintenir la présence de Dieu, ça prend beaucoup de secrets, ça prend beaucoup de discipline. La gestion de tes pensées, ça prend toutes ces choses. Oh, que Dieu bénisse vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis tous ceux qui sont connectés dans ce programme. Je prie, Seigneur, que tu restaures la vie de mon frère et de ma soeur, sa vie de prière. Je prie que la vie de tout enfant de Dieu connecté dans ce programme soit restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, sur mon frère. Étends ta main sur ma soeur. Que les vies de prière soient restaurées. Que les vies de prière soient restaurées dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Pendant que je dis ces choses, qu'une onction spéciale de la prière vienne sur toi, ma soeur. Une onction spéciale de la prière. Qu'elle descende sur toi, mon frère. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, que Dieu puisse t'affranchir de tout ce qui est lien des ténèbres, de tout ce qui est oppression satanique qui t'empêche de prier. Que Dieu t'aide à développer une vie de prière puissante à partir de maintenant, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, en ce jour spécial, je te bénis et que l'onction de la prière vienne dans ta vie. Que je te bénis et l'onction de l'endurance de la prière vienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, nous acclamons très fort le Seigneur pour ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de choses. Beaucoup de choses à dire par rapport à la prière. Et surtout lorsqu'on veut développer une vie de prière puissante. Je vais continuer cela, mais je peux même vous dire. Il y a des cas, par exemple, de certaines personnes. Oh, je voudrais prier pour cette catégorie de personnes. Quand tu pries, tu peux prier même pendant 10 heures du temps. Mais tes pensées se promènent. Et quand tu finis, c'est comme si tu n'avais rien fait. Et des fois, c'est spirituel. Je dirais même pas des fois. Souvent, c'est spirituel. Quand dans le monde des ténèbres, on ne veut pas que quelqu'un développe la vie de prière. On applique ce qu'on appelle le principe du canard. Vous savez, le plume de canard ne peut pas retenir l'eau. Si tu mouilles le canard, l'eau ne reste pas dans ce plume. Il y a des gens sur lesquels on a placé, on dirait, un parapluie spirituel, afin que la présence de Dieu ne le touche pas. Parce qu'ils savent que s'ils entrent en contact avec la présence de Dieu, tout ce qu'on a mis comme forteresse des ténèbres de sa famille sera détruite. Et surtout si la personne est même possédée par des esprits, ces esprits vont commencer à contrôler ses pensées. Il va ressentir qu'il ne contrôle pas lui-même ses pensées. Il va constater que quelqu'un d'autre est en train de le pousser à penser à des choses que lui ne veut pas penser dans la prière.
Et c'est la catégorie des personnes qui n'arrivent pas à développer une vie de prière. Ce sont des personnes aussi dont les caractères ne peuvent pas changer. Parce qu'en fait, ils restent en dehors de l'endroit où il y a la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est dans le sein des saints. Et tu ne peux pas rester en dehors de la, du tabernacle, du temple, de l'endroit où se trouve la gloire de Dieu pour être changé. C'est, la, c'est dans la, l'endroit où il y a la gloire de Dieu, dans les saints des saints, que, qu'on peut connaître la transfiguration, qu'on peut connaître la transformation. Le caractère change lorsque un chrétien, son esprit entre en contact avec la gloire de Dieu. Son caractère entre en contact avec la gloire de Dieu. Là, la prière peut commencer à enlever l'impatience qui était en toi. Et tu commences à développer la patience. À enlever la colère et la haine qui était en toi. Tu commences à développer l'amour et la maîtrise de soi. Tu ne peux recevoir de Dieu dans la prière que si tu entres dans la profondeur de la prière. Or, il y a des esprits qui t'empêchent à percer dans la prière. C'est pourquoi je prie pour toi, en terminant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur étende sa main sur toi au nom de Jésus, mon frère. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur étende sa main sur toi, ma soeur. Que le Seigneur étende sa main sur toi. Dans le nom de Jésus, que ce parapluie de ténèbres qu'on a mis sur ta vie, afin que tu ne pries pas, t'es quitte dans le nom de Jésus. Te libère dans le nom de Jésus. J'ai dit que ce parapluie te libère dans le nom de Jésus. J'ai dit que ce parapluie te libère dans le nom de Jésus. J'ai dit dans le nom de Jésus. J'ai dit dans le nom de Jésus. Père, étends ta main sur mon frère, sur ma soeur. Oh Père, que ta gloire déborde dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Oh, regardez au bas de l'écran là où on écrit abonnez-vous, allez-y. Abonnez-vous massivement, cliquez sur la cloche de notification, invitez vos amis, vos connaissances à nous rejoindre. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la partager. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi également. Si tu as aimé l'enseignement et tu veux continuer à être édifié, alors abonne-toi. Comme ça, à chaque fois que nous allons, n'est-ce pas, commencer nos temps de prière d'enseignement, tu seras de notre et notre Dieu te bénira. Donc, menons cette campagne ensemble, frères et sœurs, partout où vous êtes, en Europe, en Afrique. Parlez du Centre Montagne Sainte. Invitez vos connaissances à nous rejoindre dans notre compte YouTube. J'aimerais que ceux qui sont des îles, oui, puissent faire un travail. Nous voulons percer au niveau des îles. Parlez, prenez les liens. Partagez cela au niveau des îles afin que tous ceux qui sont des îles puissent aussi nous rejoindre. Et le Seigneur va vous bénir. Donc que la grâce de Dieu demeure dans vos vies. Tous ceux qui veulent librement donner leur offrande, envoyer leur libéralité. Parce que la prière est souvent accompagnée avec l'offrande. Rappelez-vous de Corneille, ses sens, ses aumônes et les prières qui sont montées au ciel. Les aumônes, il les donnait sur la terre. La prière, il les dirigeait à Dieu. Mais comme ce sont des principes spirituels, la prière est accompagnée de l'offrande et lorsque vous les faites, le Seigneur vous bénira. Tous ceux qui veulent donner leur offrande, leur libéralité, on vous indique sur votre écran, selon votre région, trouvez les moyens les plus faciles pour faire parvenir au Centre Montagne Sainte vos dons, vos libéralités. Et le Dieu, notre Dieu vous bénira. Celui qui arrose va également vous arroser. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs, servantes qui sont connectés à ces programmes. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivront cette vidéo, même en différé. Que la même gloire que Dieu libère en ce moment, oui, soit leur partage dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons continuer demain ou après-demain. Nous serons avec vous encore pour des temps de prière en direct sur notre compte YouTube Centre Montagne Sainte. Comme je disais, abonnez-vous et faites abonner vos connaissances. Et quand vous le faites, notre Dieu vous bénira. Donc je vous aime, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous et prie pour demain ou après-demain. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous suivez, selon votre fuseau horaire. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui sont de l'Afrique. Je salue tous ceux qui sont de l'Europe. Tous ceux qui nous suivent de l'Océanie. Tous ceux qui nous suivent du Canada, que Dieu vous bénisse, les membres du Centre Montagne Sainte et nos partenaires également, que Dieu vous bénisse. Au revoir, que Dieu vous bénisse.